tous, public, famille et tout le tralala. Nous sommes en direct de Fraissinet. C'est très français, hein, mais nous sommes pouvés en France, plutôt à 18 000 km. Exactement, petite Charlotte, exactement. À côté du lagon. Du lagon de... Moulting Lagoons. À côté vous pouvez du voir que, vous pouvez voir qu'il ne sait pas du tout où on est. Mais si, je le sais, mais je l'ai oublié. Alors, Moulting Lagoons, et oui, tout à fait, bonsoir. Il est 16h. 16h, et oui, messieurs, dames, nous mangeons. Mangeons parce que nous n'avons pas pris de petit lunch à midi. Parce qu'à midi, nous étions ailleurs. Nous n'avions pas le temps de manger. Donc Charlotte va nous présenter le repas de ce midi, ouais, de ce midi est, de midi 16h. Ah bon? Charlotte, à vous les stations. Zoom sur la manger. Yep, désolé pour la brutalité. Voilà. Mademoiselle Charlotte, expliquez-nous donc notre... Là, on voit tout là. On voit tout là. Donc là, si je monte ça, c'est bon. Exactement. Alors, première chose, le micro. Ah oui, le micro est une bouteille de vin, 40 degrés sud, que Charlotte va nous expliquer. Eh oui, parce que maintenant qu'elle a gobé un bout de pomme, elle peut plus le dire. Alors, pourquoi 40 degrés sud? Ce vin est un vin blanc pétillant provenant de Tasmanie. Pourquoi 40 degrés sud? Parce que 40 degrés sud, c'est la position de la Tasmanie sur la planète Terre. C'est la latitude. C'est la latitude, exactement. Voilà. Parce que c'est pas la longitude. Exactement. J'ai mis le petit bouchon, ce qui nous permet de faire un micro. Et voilà. Voilà. Charlotte, à toi les stations. Donc j'étais censé dire quoi? Eh ben, expliquer notre bon repas. Qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que cette cagette d'aluminium? Bon, tu as fini de parler comme si tu étais dans le sud de la France, on est dans le sud de l'Australie, merde! Hey, elle est voisine! D'accord, alors comme il parle dans le sud de l'Australie. Allez, vas-y, ma chérie. Je sais pas, il parle normal. D'accord, vas-y, à toi. C'est sérieux, faut qu'on dise ce qu'on mange là? Bah oui! Bon, bah alors on mange. C'est nul comme vidéo. Oh, mais ma chérie, tu couperas si tu veux. Bon, alors on mange du fromage. On voit là? Oui, on voit. Mais c'est loin là hein, quand même. Je peux montrer. T'aurais pu zoomer. Hein. Oh ma chérie. On mange du fromage, du crémeux très exactement et encore plus, je dirais, du crémeux de Bourgogne. Et oui, le fromage vient d'être importé de France. Du vrai, vrai fromage, comme il est difficile de trouver sans que ça te coûte une petite blinde ou que tu la goûtes d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que tu fais? J'ai fait un petit zoom. Oh là là. Mais tu fais zoom sur quoi là? Sur la bouffe. Sur tout ensemble. Mais je croyais que t'as dit que c'était bon. Oui, mais c'était bon. Mais t'as parlé de zoom. Arrête, continue. Tu vas casser la bon, vidéo. Bon, bah t'as dit que c'est toi qui déplaçais les trucs. Ah bon? Bah oui, t'as dit que tu faisais un zoom tout seul. Là. Oh là, c'est gras. Mon Dieu que c'est gras. Deuxième fromage qui accompagne le crémeux de Bourgogne, je dirais en mille, du Roquefort. Oui, mais du Roquefort français, le papillon. Fait à Roquefort avec du fromage de brebis. Et oui, ça nous arrive de trouver du vrai, vrai France, made in France, je dirais même plus, fabriqué en France. Et aussi. Reste du réveillon de Noël, c'est du Turducken. Du Turducken, et oui, vous vous demandez ce que c'est. Si ça se trouve, on ne nous entend pas du tout d'ailleurs à la vidéo. Mais c'est pas grave. Bon, là, là. Mais qu'est-ce que du Turducken, Guillaume? Je vous le demande. Le Turducken, c'est du turquie, c'est-à-dire du dindon. Du duck, c'est-à-dire du canard. Et Ken, c'est la fin du chicken. Mais non, Ken, c'est le mari de Barbie. Ah, tu dis des bêtises. Eh oui, le blanc, c'est... Je dis des bêtises. Ken, c'est pas le mari de Barbie. Ouais, mais il est pas dans le tour du Ken. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais? Parce que, quand même, le Ken de chicken, il était bien blanc. Hein. Et Ken, il est pas hyper bronzé non plus. Hein. Ouais. Donc, ouais, elle dit des bêtises. Non. Allez, on continue. Très exactement, c'est donc un mélange de ces trois viandes. Donc, dinde, poulet et canard.
enrobé de bacon, c'est ça. C'est ça. Et au milieu avec une farce à la pistache, au romarin et je sais plus trop quoi d'autre. Putain, tu sais tout ça, mais... Moi, je m'en souvenais plus. Pour accompagner ça, nous avons un peu de... Ah, ça veut dire sauce tartare. Sauce tartare, merci Charlotte. Voilà. Et en dessert, des pommes de terre. Eh ben non. En dessert. Non, ça c'est le reste de légumes que Guillaume a pas mangé. Ah oui, bon, bah, vous regardez pas les concombres, le concombre et puis le poivron, mais le reste c'est le dessert. Pommes et abricots. De pays. Voilà, voilà. Bon, à la base, t'étais censé me demander comment s'était passée ma journée. Hein, et du coup, on fait le débrief de ce qu'on a en train. Bon, là c'était le débrief du manger. Donc voilà, coupé. Quand tu fais du vélo, eh ben, en fait, tu finis par parler beaucoup de l'entrejambe. Je crois que c'est le seul sport où tu parles autant de l'entrejambe, quoi. Ça va, t'as mal, toi? Ah non, non, ça va. Et notre entrejambe va très bien.